Mesdames et Messieurs les députés, Madame la Sénatrice, Monsieur le Conseiller spécial du Président de l'Assemblée au niveau de Yokougon, M. Doumbia, Madame la Conseillère économique, chers membre de ma délégation, Madame la directrice de cabinet du président de l'Assemblée nationale, honorable membre de ma délégation, chers parents d'Abobi, chers papa Nanandori, membre du directoire de la Chambre des rois, au nom donc de toute ma famille, je voudrais vous dire merci. Merci à la digne population de sept villages de Yokougon. Chers chefs traditionnels, gardiens du temple, des cités de Yokougon. Comme le disait tantôt mon frère Dao Paulin, en venant ici cet après-midi, j'étais loin d'imaginer une telle mobilisation, mais surtout une telle ferveur. Chers parents, je voudrais en votre nom dire merci à un homme,
un homme qui m'a demandé de venir en mission à Yokougan, mais à la vérité, comme on le dit, et comme vous le dites, vous les chefs voient ce que les populations ne voient pas. Et oui, le président Alassane Ouattara a vu ce que nous ne voyons pas. Mais en fait, le président Alassane Ouattara a vu ce que vous, les chefs de ce village, avez vu. Et comme si vous vous êtes parlé, depuis que le président Alassane Ouattara m'a demandé de venir être candidat à Yokougan, depuis ce jour-là, vous vous êtes levé. Et aujourd'hui, vous venez de faire de moi votre fils. Vous venez de faire de moi Nangissé. Je ne peux pas continuer sans dire merci à mes parents d'Agoville, aux cinq chefs cantons qui ont accompagné le président des chefs de la Yébi Tiassa, montrant à quel point ils ont de l'affection pour leur fils que je suis. Et que moi aussi, j'ai de l'affection pour mes parents d'Abobile, que j'aime et que j'adore. Mais aujourd'hui, comme quand vos enfants vous quittent, soit après le bac, soit après le BEPC, ou aller à l'université, vous êtes souvent obligé d'aller lui trouver un tuteur. Mais moi, ma chance, mes parents n'ont pas eu besoin de venir chercher un tuteur. Ils ont noté, ils ont constaté que, en dehors des parents qu'ils sont, j'avais d'autres parents à Abidjan. Et ses parents, ce sont mes parents à Tchang, d'Abidjan. Mes parents ont noté que j'avais un frère avec qui je suis depuis 1978. Ce frère, il s'appelle Dao Boré. Pas en tant que aujourd'hui fils de Yokougan, en tant que fils et faisant partie de la génération Taba. Je voudrais en cet instant précis vous dire que le témoignage affectif que vous venez de m'exprimer m'impose de vous retourner non seulement l'affection que j'ai pour vous, mais de vous retourner les engagements que je vais bientôt prendre, parce que le fils que le président Alassane Ouattara vous a envoyé est un fils. Il vous a envoyé un fils. Et en m'envoyant ici, il m'a envoyé une partie de lui-même. Bibi, en m'envoyant ici, c'est parce que souvent, il a entendu. Il y a des gens qui ne vous connaissent pas, mais il a souvent entendu, comme dans chaque village,
Il y a des sorciers pour annoncer les mauvaises nouvelles. Et puis il y a ceux qui annoncent les bonnes nouvelles. Attendez-moi maintenant. Il a souvent entendu tes parents à qui on ne t'aime pas. Et puis, il m'appelle. Il appelle d'en haut. Il appelle Beuvre Mambé. Il appelle Tchaba Laurent. Et il dit, j'aime mes parents, Adjan. Bibi, Adam, tu vas aller à Yopougon. Tu fais. Parce que le moment est venu d'accélérer le développement de Yopougon. Et tu diras à mes parents, Adjan, que le moment est venu de rassembler tous les fils et filles de Yopougon. Mais ce soir, je serai un grand ambassadeur. Je serai un grand porte-parole pour lui dire, si on ne t'aime pas, on ne peut pas aimer ton fils. Il m'aime, donc monsieur le président Alassane Ouattara, mes parents t'aiment. Bibi, Bibi, attendez-moi maintenant. Alors, à partir d'aujourd'hui, mon frère Dao et Dathier Koubé, Mambé est de Songon, d'autres sont de Marcory, d'autres sont de Port-Boué, mais la locomotive, la locomotive qui doit tirer le peuple haïtien partira, doit être à Yopougon. Être la locomotive, il faut que dans les mois à venir, les années à venir, votre fils votre fils, avec l'aide de tous mes frères ici présents, avec tous mes frères de la génération Tchaba, nous allons transformer Yopougon. Nous allons faire de Yopougon le point de rassemblement de tous nos autres frères qui sont à Tchekoubé, qui sont à Marcory, qui sont à Songon, qui sont à Port-Boué, qui sont à Blancos. Parce que Yopougon, au milieu de la capitale d'Abidjan, doit être la capitale d'Abidjan. Nous ne pouvons pas comprendre que Yopougon est la plus grande zone industrielle. Et on dit que les jeunes sont au chômage. Nous ne pouvons pas comprendre que Yopougon est près de 2 millions d'habitants. Il n'y a pas de gare pour Yopougon. Nous ne pouvons pas comprendre que Yopougon soit cette grande commune où tous les grands sportifs, les grands joueurs de football sont partis de Yopougon. Quand je serai élu en octobre, monsieur le ministre des Sports, nous aurons la plus grande et la plus belle équipe d'Abidjan et Yopougon en matière de football. Je regarde mon frère Farid Soumaoro, je suis désolé, mais ça ne sera pas le Stella d'Agamé ici, ça sera la grande équipe de Yopougon. Que Yopougon, près de 2 millions d'habitants. Comment comprendre que Yopougon, 156 km², il n'y a pas de palais de culture à Yopougon. Comment comprendre que tous les artistes passent de Yopougon. Kérosène, Yolène Siro, Ismaël Isaac, Tchoumbi, tous ces artistes sont partis de Yopougon.
Docteur Yakamba, il n'y a pas de palais de culture à Yokougo. Comment le comprendre, chers parents? Comment comprendre que 200 000 jeunes partent de Yokougo pour aller à l'université? Ils ne savent pas où dormir quand ils traversent le pont. Yokougo doit avoir une université. Monsieur le maire! Monsieur le maire! C'est ensemble. C'est pour cela que je dis, nous allons faire de Yokougo la capitale de la capitale. Parce que ici, c'est Yop City. Ses parents ont venu ici à Yokougo. Oui, je suis issu d'un parti. Mais en venu à Yokougo, dès lors que le président Alassane Ouattara m'a dit, tu deviens candidat à Yokougo. Mais il faut que ta candidature épouse l'expression plurielle. C'est-à-dire, comme Yokougo c'est la Côte d'Ivoire en miniature, alors le fils que vous avez devant vous, le fils qui s'appelle Nangusien, mais comme Yokougo c'est toute la Côte d'Ivoire qui est Yokougo, je m'appelle aussi Lago. Je m'appelle aussi Koulibaly. Je m'appelle aussi Kwame. Je m'appelle aussi Touré. Je m'appelle aussi Wey. Je m'appelle la Côte d'Ivoire. Chers parents, nous vous avez montré que Yokougo sait vivre dans la diversité. Mais je voudrais aujourd'hui dire merci à mes parents à Tchad qui ont su recevoir ici à Abidjan toutes les communautés de Côte d'Ivoire, qui ont su recevoir même les communautés étrangères. Vous avez montré le sens de vivre ensemble. Mais je voudrais vous assurer, chers parents, que malgré la présence de toutes les communautés, la dignité des Atchas doit être respectée. C'est pour cela, maintenant que la révision de la liste électorale est terminée, que les fêtes vont marquer la fin de l'année, à partir de janvier, je l'ai dit au porte-parole des chefs de village, je ferai ma campagne en plus de l'équipe qu'il y a. Chaque village aura un représentant dans mon équipe de campagne. Parce que nous sommes chez vous. Parce que les autres sont chez nous. Les autres sont chez Nangisset. Mais comme vous êtes un peuple de tolérance, qu'on soit Bété, qu'on soit Abé, qu'on soit Haï, qu'on soit Geneka, qu'on soit Seloufo, qu'on soit Yakuba, qu'on soit Guéré, vous allez ouvrir vos bras pour accepter tout le monde ici à Yokougo. C'est pour cela que, chers parents, on ne vous dira jamais assez merci. Et comme mes parents d'Aboville me le disent, Nassé, Nassé et Nassé. Chers parents, je voudrais terminer pour vous dire, je serai à vos côtés, mais je passerai dans chaque village
Vous parlez avec les jeunes. Pourquoi avec les jeunes? Nous essayons de trouver des solutions à leurs problèmes. Je parlerai avec les femmes parce que je sais que mes mamans dans chaque village, au-delà de la production de la tchèque, elles font des cultures. Je ne ferai pas d'annonce que je ne peux pas respecter. Mais je vous demande de m'observer. Avant même la campagne, avant même les élections, vous serez fiers de votre fils Languissé. Je ne parlerai jamais des autres. Vous m'avez adopté. Je vous remets ma candidature. Chers parents, je terminerai pour dire que Yop City, je vous demande simplement, donnez-moi 5 ans. Et dans 5 ans, c'est toutes les autres communes qui viendront passer les vacances à Yopougon. Que Dieu veille sur nos villages, que Dieu veille sur la commune de Yopougon, et que Dieu nous accompagne chacun et chacune de nous sur le retour de chemin. Je voudrais votre nom, au nom de mes parents que vous êtes, au nom de mes parents adoptifs que vous êtes, saluer mes parents d'Aboville. Que Dieu vous le rende pour l'acte que vous venez de poser. À vous tous et à vous toutes, merci. Merci. Mon cœur a une torche. La torche de mon cœur traverse l'obscurité. Et ma torche ira dans tous les villages de Yopougon Kouté pour apporter le sourire et la joie à mes parents. Je vous remercie. Merci, monsieur le maire.